Oh my god! Je savais tellement pas que vous étiez là! What's up YouTube? Bienvenue sur ma nouvelle vidéo YouTube. Aujourd'hui, c'est une vidéo assez spéciale. Vous allez voir de qu'est-ce qui se cache derrière le stream. Donc dans le fond là, vous allez voir ma vie 24 heures sur 24. Oh, checkez-le. Il est allé par lui-même en dessous de l'oreille. Mais laissez-moi dormir, Zimpi! Donc, vous allez voir la réalité de qu'est-ce qui se cache derrière le streaming. Parce que oui, vous me voyez seulement streamer, mais vous voyez pas qu'est-ce qui est derrière. Tous les travaux que je fais, tous les projets, etc., etc. Bienvenue dans le 24 heures avec Cocotte. Non, là, il est venu s'installer à côté de moi. Hein? Oh! Bon, premièrement, absolument, je me réveille dans les alentours de 8h-9h. Présentement, il est 9h20. Je me suis réveillée plus tard que d'habitude parce que hier, j'ai fait un podcast avec Adamo et je suis revenue chez moi, il était 1h du matin. Donc je me suis dit, je vais dormir 1h de plus et habituellement je me couche à 10h, tu comprends? Là, je sais que cette vidéo-là va peut-être être un peu moins amusante que d'habitude, mais je me suis dit, pourquoi pas mettre un côté sérieux aussi de vous montrer vraiment la réalité de qu'est-ce que Cocotte fait derrière le stream. Donc je me suis dit, why not, Coconut, de vous montrer la réalité. Et je pense que j'ai comme dit la réalité genre 50 millions de fois. On va activer la journée, c'est parti. Première chose que je fais dès que je me lève, c'est faire le lit. Non, fuck off, c'est pas vrai, je le fais presque jamais, c'est très rare. On va faire pisser body dehors. Hein body, es-tu prêt mon chien? Donc let's go, on va dehors. On met les crocs, body est prêt à sortir. Vas-y body, pipi. Wow, oui, bravo. Il lève pas encore la patte parce que c'est ça, il est pas capable encore. Et tu lui donnes toujours une gâterie pour féliciter. Oh, je l'ai échappé. Il est là. Oh, bravo, buddy. Il fait toujours son petit pipi le matin. Je lui donne une gâterie pour le récompenser. Et absolument, il fait pas vraiment de caca le matin. Ça, c'est une habitude qu'il fait, je sais pas pourquoi. Ça arrive de temps en temps que je vais juste faire une petite marche avec lui. Mais là, pour la vidéo, là, je me suis un peu réveillée trop en retard. Donc, j'ai pas le temps de faire une petite marche aujourd'hui. Mais absolument, je fais genre le Mario complet puis je reviens. Là. Tu sais, c'est une petite marche de rien du tout. Là. Je fais juste le promener. Pour qu'il fasse ses besoins, quoi. Donc, let's go, on retourne en dedans. Ah, oh, t'as-tu envie de chier? Ok, non. Après avoir fait son pipi, j'y donne toujours sa nourriture puis son eau. Il vous la body. Absolument, j'enlève son bol d'eau à 8h, 9h le soir. Parce que sinon, il va pisser dans le lit. Il n'est pas capable de se contrôler tout le temps. Je pense que ça fait legit un mois qu'il n'a pas pissé dans le lit. Pause. Dès que j'ai parlé de ça, la soirée même, mon chien a fucking pissé dans mon lit tabarnak. Dès que j'ai tout fini, là c'est à mon tour d'être occupé. Donc moi, qu'est-ce que je fais? Je déjeune chaque matin parce que je sais qu'il y a pas beaucoup de monde qui sont capables de déjeuner le matin. Mais moi, chaque matin, je déjeune. Je suis pas capable de me réveiller sans déjeuner. Donc moi, le classique que je prends littéralement tout le temps, c'est un bol de céréales. Qu'est-ce qui est le plus classique qu'un foutu bol de céréales, puis tu mets le lait avant les céréales? Mettez en commentaire, tu mets les céréales ou le lait avant? Miam! Et les céréales après. Il m'en reste presque plus. Et maintenant, dégustons! Quand je me réveille, absolument, c'est je me réveille à 8h, à 9h, je commence à travailler. Donc, je me laisse un 1h pour relaxer, passer du temps avec mon chien, manger comme du monde, brossage de dents, prendre ma douche, etc., etc. Live, il est 9h39. Il me reste encore 20 minutes parce que j'ai commencé à 9h20 à filmer, donc à cause de toute la préparation derrière, bref, vous comprenez. Donc, je me dépêche, on mange, je prends ma douche, petit pipi du matin, on brosse les dents. Puis après, je vais vous montrer vraiment c'est quoi que je fais quand je travaille. Une journée. Bienvenue dans mon monde où est-ce que mon chien fait plein de bruit avec son fucking jouet. Quand tu le brosses, vous savez ça. Checkez là qu'il est pas cute de revenir là. Bon, je viens de finir de manger. Après avoir mangé, qu'est-ce que je fais tout le temps? Je sors la nourriture que je vais manger pour ce soir. Puis à soir, on va se faire des boulettes. Mon pipi du matin est fait. Maintenant, c'est l'heure de la douche. Qu'est-ce que je dois vivre à chaque matin? Mon chien, là, il aime beaucoup manger mon tapis de douche. À chaque matin, je dois cacher le tapis pendant que je suis dans la douche. Sinon, je sors avec zéro tapis de douche. Il est rendu dans le salon. Tu comprends? Ta-ta-ta-ta-ta! Est-ce que tu pensais vraiment que je suis dans la douche? Pensais-tu vraiment que j'allais filmer? Ben non, tabarnak!
Bon, je viens de sortir de la douche. Mon outfit of the day. Un chandail North Face. Des paires de bas Nike. Et une paire de jogging. La douche est prise. Je me suis habillée. Je sais que là, je me suis habillée très confortable. Donc, jogging, un chandail loose, simple. Quand je sais que je sors pas de chez moi, ça sera à quoi de mettre des jeans? Bon, live, je suis rendue à ma skincare routine. Fuck all, j'ai pas de skin routine. Là. Je fais juste mettre de la crème hydratante dans ma face pis c'est tout. Là, je reprécie que tout ce que vous voyez à partir de cette vidéo, c'est selon ma routine à moi. Mais c'est aussi, je vous montre tout ce qui est côté réel. Je fake zéro mes seins ou quoi que ce soit. C'est littéralement ça, mes journées. Là, live, il est 10h15. Il me reste encore 5 minutes. Donc techniquement, ça l'aurait fait le 1h parce que ma journée, elle a commencé à 9h20 parce que j'ai commencé à fumer. Bref, vous comprenez ce que je veux dire. Donc, dans 5 minutes, je suis censée avoir tout terminé, prêt à embarquer au travail. Du déo, du parfum, je me brosse les dents, je me brosse les cheveux, je me lave les oreilles. Bon, il est présentement 10h30, je suis en retard de 10 minutes, mais au moins c'est pas comme si c'était une heure de après, tu comprends? Juste avant, j'ouvre toujours la porte à Buddy pour qu'il puisse aller dehors quand qu'il veut et rentrer quand qu'il veut. Juste avant de commencer, chaque matin, je dois absolument prendre des Advil. Pour ceux qui savent pas c'est quoi, c'est un affaire pour enlever les mal de tête. Je m'en prends deux et après, je suis capable de toffer la journée avec aucun mal de tête. Cheers! Au travail. Qu'est-ce que je fais habituellement en me levant? Je me fais une liste. Par exemple, hier, ça c'était l'horaire de la journée d'hier. Faut que je pense à littéralement tout. Je pense à YouTube, Instagram, Twitch et TikTok, pardon. Déjà là, live, peut-être que vous le remarquez pas, mais je travaille en ce moment. Je filme tout, qu'est-ce que je fais, je vous explique. Là, il veut jouer. C'est pas le temps, buddy. Ce n'est pas le temps. Donc, ouais, c'est ça, pour revenir au sujet. Tu sais, qu'est-ce qui est bien en même temps pour mon chien? Si vous travaillez de maison, c'est sûr que c'est toujours mieux pour le chien ou le chat, peu importe. Ben le chat, en vrai, il s'en fout de toi, là. Mais il y a des désavantages à ça. Dès que tu t'en vas de la maison, là, il a comme créé une dépendance affective. Il va crier au meurtre quand il est dans sa cage. Tu comprends? Il est pas habitué d'être tout seul tout le temps. Ou sinon, qu'est-ce que des fois, j'ai des petites pauses, qu'est-ce que je fais? C'est je vais à la bibliothèque. Ça m'arrive quand même, je dirais un bon une à deux fois par semaine que je m'en vais à la bibliothèque et je me concentre à fond. Tu sais, comme tout ce qui est à faire, faire les courriels, faire ci, faire ça avant le stream, ben ça, je le fais à la bibliothèque. Tout ce qui est en dehors du stream, c'est tout ce qui est gestion de courriel, gestion des projets, parce que oui, je suis comme la propriétaire de ma compagnie. À chaque jour, je dois penser à des idées de vidéos YouTube. J'ai un tournage pour une vidéo YouTube la semaine prochaine. C'est une grosse vidéo, je m'en vais dans une compagnie faire telle activité avec plein d'autres streamers et YouTubers. La semaine d'après, j'ai une autre grosse vidéo. Je vais pas vous spoiler, mais vous pensez quoi? Vous pensez que je vous spoiler les vidéos. Là, ces temps-ci, j'essaie vraiment de mettre YouTube à fond. Essayer de publier chaque semaine des vidéos YouTube. Moi, je vais vous amener des concepts qui sont différents, mais qu'on voit pas à chaque jour, tu comprends? Qu'est-ce qu'on va faire live? On va regarder les courriels, m'établir des tâches à qu'est-ce que je dois faire aujourd'hui. Heureusement, je n'ai pas de rencontre aujourd'hui parce que j'ai pris une journée que j'avais rien de la journée de planifier pour pouvoir filmer ma vidéo YouTube. J'irai 3 fois par semaine, j'ai au moins une rencontre avec mon agent pour tout ce qui est sponsor et tout, partenariat, etc. Au moins 2-3 rencontres avec ma soeur, c'est ma manager, elle gère mes courriels, elle gère écrire aux personnes, etc., etc. Pour YouTube, on pense à des vidéos YouTube et on contacte les compagnies. Les streams, la plupart du temps, c'est du gaming, mais sinon, quand il y a des streams différents, je contacte les compagnies pour faire un stream avec eux. Ou sinon, c'est sur la plupart du temps, je vais stream et gamer ou faire du react. Du react, c'est regarder des vidéos et commenter par-dessus. TikTok et Instagram, c'est des clips que je vais chercher dans mes streams. Aussi, faut que je prenne 1 heure de ma journée à essayer de répondre à plus de messages possibles. Maintenant, je vais vous montrer à quoi ressemblent mes horaires de semaine quand je respecte mon horaire. J'utilise beaucoup Google Agenda et comme ça, mettons, c'est le planning de cette semaine pour l'instant. T'sais, mettons, là, j'ai eu un baptême dimanche.
Là, j'ai eu un stream hier, j'ai eu un podcast hier soir qui a fini à 1h du matin. Là, je dois filmer ma vidéo YouTube toute la journée. J'ai un stream NordVPN tantôt. Et là, j'ai mon rendez-vous de comptabilité. Puis là, tu sais, moi, j'ai des rendez-vous comme, mettons, rendez-vous avec mon agent, mettons, le jeudi. Mais là, mon agent, en ce moment, il est en voyage. Donc là, il est pas là en ce moment. Mais bref, j'essaie d'utiliser Google Agenda le plus possible. Là, maintenant, je vais répondre aux courriels. Donc là, aussi, oui, j'ai quelqu'un qui édite mes vidéos, mais je dois quand même lui dire les changements que je veux sur l'édit qu'il a fait pour ma vidéo YouTube. Donc là, par exemple, c'est ça qu'on va faire en ce moment. Dans le fond, live, je vais dire les changements que je veux faire sur la vidéo YouTube de la cabane à sucre. Ceux qui l'ont pas déjà vu, allez la voir, c'est un banger vidéo. What's up tout le monde, bienvenue sur ma nouvelle vidéo YouTube. Aujourd'hui, on va vous apprendre sur ça. On va vous faire découvrir le classique québécois qui est la cabane à sucre. Il est présentement 12h35. J'ai avancé au niveau changement YouTube, répondre aux courriels, toutes ces affaires-là. Maintenant, c'est l'heure de dîner, ma petite pause de dîner et sortir Buddy pour qu'il pisse. Qu'est-ce que j'aime le plus de mon chien, c'est que j'ai même pas besoin de mettre tout le temps la laisse. Là, j'ai les mains pleines. Là, je vais juste ouvrir la porte, il va même pas s'enfuir. Buddy! Je suis même pas inquiète, il va même pas s'enfuir. Let's go, le recyclage, Colis. Il cherche son coin à pisse. Et oui, bravo, Buddy. Allez, hop, dans le recyclage. Non, Buddy. Non, il pourrait legit passer en dessous. OK, hey, Buddy, non! Hey! Non, là, oh, je t'emmerde. Je t'en... Il est où, Buddy? Buddy, viens-t'en! Ah oui! Ah oui, petit coquin! Hey, comment plus peur de même? Absolument aussi. Qu'est-ce que je fais le midi? Je cours avec lui. Viens! Ah ouais! Pendant que je mangeais, au lieu de manger des noix, des bleuets, j'ai décidé de manger des bonbons. Je sais pas pourquoi, mais je mange jamais santé. Jamais, jamais, jamais. Puis ça, je sais que c'est pas une bonne habitude à faire, mais regarde, j'aime les bonbons, j'en mange. Mais là, là, je vais manger un vrai repas. On va manger aujourd'hui, comme dîner, du porc que j'ai fait cuire hier avec du riz. Donc, on a mon porc juste là-dedans. Oui, je cuisine dans la vie, mais je cuisine pas tout le temps. On s'entend là-dessus. Je sais pas si vous avez ça en France. Mais nous, au Québec, on a ça. On a du riz Uncle Ben's que tu vas juste mettre au micro-ondes pendant 2 minutes. Et ton riz est fait. Aussi simple que ça. Bon, voilà ce que j'ai à manger. J'ai des cocombes, des tomates, du riz et du porc. Mais croyez pas que je mange ça à chaque jour. Les légumes, c'est très rare que j'en mange parce que j'y pense pas d'en manger. Puis il y a des journées là, que je n'exagère même pas, là, je mange juste 2 à 1 fois par journée. Mais en vrai, je pense que je devrais vlog plus souvent pour manger 3 repas par jour. Toujours un verre d'eau parce que c'est ça que j'aime le plus au monde. Let's go! Je mange et après, on va faire des petits clips TikTok pour qu'on les envoie à mon éditeur pour qu'ils éditent pour TikTok. Live, il est 13h36, donc j'ai pris 25 minutes à manger. J'ai terminé de manger, ça le fait du bien. Dans 20 minutes, je suis censée streamer. Mais la réalité de mes streams, c'est que je suis littéralement tout le temps en retard. Mais là, aujourd'hui, j'aimerais être à l'heure. On va réellement commencer mon stream à 2h québécois. Moi, je dis que le 20 minutes qui va rester, le 23 minutes qui reste, je vais publier mon TikTok et mon Reels et mon Short sur YouTube. Là, qu'est-ce que je dois faire? Je dois choisir que là, mettons, dans le fond, TikTok ici, que je mets plein de TikTok que mon éditeur doit faire. Là, après, j'ai ici toutes les TikTok qui sont terminées. C'est comme ma banque à TikTok. Donc, je choisis quel TikTok que je veux mettre pour aujourd'hui. Et j'ai aussi ici mes vidéos YouTube. Comme là, il y a la cabane à sucre, le McDo France versus McDo québécois. Donc, c'est un peu comme ça que ça fonctionne au niveau de mes vidéos. Comme là, la vidéo d'aujourd'hui que je vais publier, faudrait que je regarde. Donc, quand elle est déjà publiée, tu le mets dans le upload. Voilà, c'est elle que j'ai choisi. Donc, on va la download. Et là, après, je le airdrop sur mon téléphone. Et je l'ai maintenant sur mon cellulaire. Puisque c'est un stream de NordVPN aujourd'hui, on m'a envoyé, dans le fond, un résumé de qu'est-ce que je dois exactement parler pendant un segment d'environ 2 minutes, mais moi, je fais toujours un peu plus. Donc là, je vais lire ça vite, vite. On publie mon TikTok, on publie le short et le reel, et après, on s'en va en stream, quoi!
Bon, je viens de truquer un peu le système. J'ai écrit « Cocotte vous envoyer un message ». Donc ça, c'est la notification que le monde va recevoir quand mon live va commencer. Donc là, on va être capable de voir combien de personnes ont réussi à tomber dans le piège. Avant de commencer mon live officiellement, faut toujours que je fasse ma story posée. Yo, je suis en live, esti. Yo, les potes, je suis en live. Venez-vous-en. Je suis tout ça la même colisse d'affaires. À un moment donné, il faudrait que je change de fucking phrase. Hey, 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 je suis en live. Hey, 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 je suis en live. C'est bien, ça. 497 personnes ont tombé dans le piège. Bon, là, on s'en va en live pendant environ 3-4 heures, je dirais. Live, je suis en stream. Et il y a le chat qui vous dit « Allô, YouTube! » Como está, YouTube? Yeah! Je viens de finir de stream. J'ai fait un petit 5 heures de stream aujourd'hui. Il est présentement 8h09. Absolument, dès que j'ai fini de stream, la première chose que j'ai fait, je regarde mes stats. Parce que je suis addict aux stats. En même temps, je dois envoyer à NordVPN les stats du stream et le passage où je parlais de NordVPN. Les stats d'aujourd'hui, j'ai fait un petit 4h42 de live. J'ai eu 679 personnes de moyenne et j'ai atteint 1600 personnes dans la soirée qui est venue en même temps. C'est des stats, quoi. Je voulais aussi vous montrer que je travaille aussi après mes streams. Mais pour les... je fais pas que ça, OK? Donc, je me suis dit, pourquoi pas appeler mon cousin William et aller souper, demander s'il veut faire de quoi. J'ai aucune crise d'idée si Will va me répondre, mais on va voir s'il est down de venir manger avec nous. Je pense qu'il va même pas me répondre. OK, donc, ben d'abord, regarde, qu'est-ce qu'on a d'autre à faire? Ben, on a rien d'autre à faire. Mon copain, il est même pas là non plus, donc j'ai juste moi plus body. Tu sais, je vous avais dit, après mes streams, actuellement, c'est soit que je chill ou soit je travaille. Ben là, j'ai pris l'option de chill. Il est présentement 10h02 et je n'ai toujours pas mangé. Donc là, je vous montre littéralement la réalité à quoi ressemble ma vie chaque jour. Les changements de plan, c'est de même constamment. Chaque fucking jour, je dis, OK, je vais faire telle affaire, finalement, je le fais pas. Là, je suis en train de parler avec mes modos sur Twitch. Je vais mettre quelque chose au clair. Les modos et les amis, c'est la même qu'on les affaires pour moi. C'est la même définition. Donc les gars, ce soir, Body est mon super. Mais wow! Body s'est transformé en bol de popcorn! Wow! T'es pas censé être là! Donc là, je suis revenue à mon setup avec mon bol de popcorn. Je chill avec mes amis sur Discord. Maman, attention, s'il vous plaît. Est-ce que vous pouvez dire allô à la vidéo YouTube? Oui. Je chill avec eux une à deux fois par semaine parce que j'ai des pauses que des fois je s'entends juste plus d'être sur devant mon écran. Et je vais passer du temps avec mon chien, mon chum, ou je vais juste relaxer à écouter un film. Donc là, je regarde des streams, je chill avec eux. Il est 23h29 et c'est la première fois. Et je sais pas pourquoi, mais ce soir j'ai décidé de me coucher plus tard que d'habitude. Et voilà à quoi ressemblait ma journée en tant que streameuse, créatrice, contenu à temps plein, quoi. C'est la fin! Merci énormément à tous ceux qui ont regardé la vidéo jusqu'à la fin. Vous avez vu la réalité de qu'est-ce qui se passe derrière le stream. Il y a des journées que je peux être crissement chargée puis vraiment travailler à fond. Ou il y a des journées comme aujourd'hui que c'était un peu plus relax. Ça arrive des fois, je vais prendre des journées chill. Si vous voulez une journée très, très, très chargée, faites-moi le savoir en commentaire et je vais essayer de vlog pour être encore plus chargée de ma journée. Et là maintenant, puisque là j'ai réussi à déléguer mes tâches à ma manager, à mon éditeur, je peux maintenant enfin penser à retourner au fucking gym. Comme tu sais, aujourd'hui j'aurais pu y aller, mais j'y ai pas pensé parce que le matin j'étais débordée aujourd'hui, mais finalement j'avais pas tant de choses à faire aujourd'hui. Merci à tout le monde d'avoir été là, je vous aime de tout mon cœur. On se revoit à la prochaine vidéo YouTube, ciao, bye!